Évidemment, les crèches ont une utilité primordiale pour permettre non seulement aux parents qui travaillent d'aller travailler, de déposer leur enfant en étant tranquille, en sachant qu'il est bien pris en charge, qu'il a droit à un accueil de qualité. Les parents qui sont sur liste d'attente, c'est la débrouille. Soit on laisse chez les grands-parents, soit on prend des crèches privées. Donc cette crèche fait partie d'un bâtiment qui répond aux critères des bâtiments passifs, c'est-à-dire que déjà à Bruxelles la réglementation est assez, on va pas dire sévère, mais élevée en termes de performance thermique, mais ici on a été encore un peu plus loin pour vraiment être le plus économe possible en énergie, mais ça ne se limite pas uniquement à l'énergie, on va aussi aller chercher dans les matériaux aussi pour les rendre les plus respectueux de l'environnement. Les aménagements qui ont été mis en place ici dans la crèche Altaïr, tout d'abord ce sont des sections semi-verticales et on a également une section verticale. C'est-à-dire qu'on peut accueillir des enfants de groupes d'âge très différents, pas uniquement se centrer sur les bébés ou sur les grands. L'ouverture de cette nouvelle crèche, déjà ça va permettre de libérer un peu de place sur la liste d'attente qui est très longue sur la commune de Skarvik. Donc ici le fait d'avoir des sections verticales ou semi-verticales permet d'avoir justement cette diversité dans les tranches d'âge qui pourrait libérer des places par rapport à des enfants qui ne rentreraient pas dans un groupe que de bébés.